Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Psychose 2, film américain de 1983, réalisé par Richard Franklin. It's 22 years later. Norman Bates is coming home. And he's back in business. Psycho 2. Après 22 années passées dans un asile psychiatrique, Norman Bates retrouve sa liberté et rentre au motel familial. Il fait très vite la connaissance de Mary Samuels, une jeune femme troublante avec laquelle il va se lier, mais de nombreux signes laissent penser que Madame Bates rôde toujours dans la maison. Norman replonge-t-il dans la folie ou quelqu'un cherche-t-il à le faire passer pour fou ? Vous l'aurez deviné, sans trop de difficultés, le film du jour n'est autre que la suite de l'incontournable Psychose, réalisé par le non moins incontournable Alfred Hitchcock en 1960. Subversif, surprenant, glaçant et maîtrisé de bout en bout, le long métrage, qu'on rattache a posteriori au sous-genre horrifique du slasher, est devenu un classique, exerçant une influence considérable, aujourd'hui encore, tout en ayant engendré suites, préquelles et séries dérivées. Étant donné l'aura dont jouit Hitchcock à l'époque, l'idée d'une séquelle semble inconcevable tant elle relève du sacrilège. Mais sur le papier, elle ne semble pas si hasardeuse et encore moins difficile à mettre en place. Psychose était l'adaptation du roman éponyme de Robert Bloch, publié en 1959, alors pourquoi ne pas tout simplement porter à l'écran sa suite, Psychose 2, écrite par l'auteur en 1982 ? Eh bien parce que Universal estime que le livre porte un regard beaucoup trop satirique sur Hollywood, celui-ci raillant notamment l'appétence des studios pour les faits divers, dont ils s'emparent en vue d'en faire des films à sensation. Aurait-on eu droit à un Scream avant l'heure ? Nous ne le saurons jamais. Quoi qu'il en soit, la production fait alors le choix d'un scénario original, écrit par Tom Holland, futur réalisateur de Vampire, vous avez dit Vampire, en 1985, Jeu d'enfant, en 1988, et La peau sur les os, en 1996, dont je vous ai parlé sur la chaîne il y a quelques semaines. Tom Holland, qu'on retrouve d'ailleurs aussi devant la caméra, dans le rôle d'un des adjoints du shérif. La réalisation est quant à elle confiée à l'Australien Richard Franklin, fervent admirateur d'Alfred Hitchcock, notamment connu pour Patrick, sorti en 1978, grand prix du Festival international du film fantastique d'Avoria l'année suivante. Mêlant horreur et science-fiction, le long métrage sous influence du maître n'a sans doute pas été étranger au recrutement de son réalisateur par la production. Psychose, premier du nom, nous gratifiait d'un des regards caméra les plus emblématiques du cinéma en guise de conclusion. 22 ans après, fraîchement sorti de l'établissement psychiatrique dans lequel il est resté cloîtré, Norman, le sympathique propriétaire du Bates Motel, taxidermiste à ses heures perdues et très proche, trop proche, de sa chère maman, est donc de retour, tout comme son indissociable interprète, Anthony Perkins. Un rôle iconique que l'acteur aura tenté, en vain, de laisser derrière lui, mais qu'il reprend ici, autant pour ne pas voir un autre l'endosser à sa place que pour un scénario qu'il apprécie particulièrement. Sacré défi que de passer derrière l'intouchable Alfred Hitchcock, décédé 3 ans plus tôt, en se lançant dans la suite d'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma. Hors de question donc pour la nouvelle équipe de tenter de surpasser un chef-d'œuvre ni même de l'égaler, il s'agit plutôt ici de prendre ses distances. Au spectateur également revient la lourde tâche de passer outre l'ombre écrasante du premier film et de juger sa suite pour ses qualités propres. Alors que le traitement administré durant son long séjour en établissement psychiatrique semble avoir eu des effets bénéfiques sur lui, Norman Bates se voit remettre en liberté par les autorités au grand dam de Lila Loomis, sœur de Marion Crane, tuée dans le premier volet lors de la célèbre scène de la douche.
scène d'ailleurs reprise dans le film de Franklin en introduction, avant que le noir et blanc ne cède sa place à la couleur, comme pour évacuer un héritage de toute façon trop lourd à porter. Si Psychose premier du nom nous racontait l'histoire d'une femme assassinée, son successeur va au contraire faire le choix de placer le personnage de Norman Bates au centre du récit, scénariste et réalisateur estimant qu'il y a bien des choses encore à découvrir sur lui. Au-delà de l'image du meurtrier à l'enfance difficile telle que nous l'avions en tête, Psychose 2 nous en offre ainsi une vision plus profonde, plus nuancée, pour mieux plonger le spectateur au cœur de ses tourments. En recherche d'une vie normale, après tant d'années passées en marge de la société, Norman apparaît comme un homme avant tout en voie de guérison, de rédemption, désireux de se réinsérer du mieux qu'il peut, dans un monde qui n'a cependant pas oublié ce qu'il a fait, même si certaines personnes sont prêtes à lui tendre la main et lui accorder une seconde chance. Alors qu'il s'attendait à retrouver l'incarnation du mal gravée dans ses souvenirs, le spectateur se surprend à éprouver de la compassion à l'égard d'un individu apparaissant lui aussi victime de sa folie, espérant finalement le voir embrasser une fin plus apaisée, sinon heureuse. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu, Norman se retrouvant à un couteau de cuisine de replonger dans ses vieux démons. Un passé refaisant soudainement surface, porté par la musique de Jerry Goldsmith, aux accents fantomatiques et mélancoliques, pour un film rempli de faux-semblants où chaque personnage secondaire est un suspect potentiel. Rendant également, et subtilement, hommage au maître du suspense, Franklin livre un thriller cérébral relativement solide, malgré un démarrage un peu long avant que l'intrigue ne se révèle pleinement, donnant lieu à des moments de tension efficaces, qu'il s'agisse de Marie tentant de calmer un Norman en pleine crise, ou bien encore de flashbacks dans lesquels ce dernier se remémore le comportement troublé de sa mère quand il était enfant. Un enfant d'ailleurs interprété, pour la petite anecdote, par le propre fils d'Anthony Perkins, Oz Perkins. S'inscrivant, après le succès de La Nuit des Masques en 1978 et de tous les films qui allaient lui emboîter le pas, dans le genre du slasher que le premier film contribua à créer, Psychose 2 se permet également quelques incursions vers le giallo lors de scènes de meurtre particulièrement graphiques. Détournant les fondements du premier film, pour mieux surprendre le spectateur, Psychose 2 mérite qu'on lui donne toutes ses chances. Si vous avez apprécié ce séjour au Bates Motel, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut !